Alors, comme il y a énormément de gens qui disent une autre, en ce qui concerne les chansons jetables, vous savez, c'est les chansons qui dorment au fond de mon tiroir et que je vous offre par l'intermédiaire de cette vidéo, il y en a au moins 10 qui me demandent d'en faire d'autres, enfin, 10 ou 5, enfin au moins 2 sûrs. Je crois. Enfin, toujours est-il que, voilà, comme vous êtes tous enthousiastes pour que je vous chante ces chansons complètement oubliées au fond de mes tiroirs et qui n'ont pas été enregistrées donc dans mes disques, qui sont donc inédites, en voici une petite dernière qui date du 1er juin 2004, donc ça date aussi, une vieille chanson. Mais attention, attention, il y a un petit message subliminal dans cette chanson. Je vais peut-être me planter en la chantant, puisque ça fait au moins des éternités que je n'ai pas chanté. Mais rien que pour vous, parents, si votre enfant est horriblement laid, stupide, prétentieux et con comme un balai, au lieu de le retourner pour balayer par terre, dites-vous qu'il fera un bon publicitaire. Pas besoin d'acheter de blouse ni de gants, tout au plus de la coke et quelques vieux slogans. Pas d'opinion non plus pour ne point se fâcher, car il faut vendre Hitler aussi bien que le Che. Plutôt se suicider que de faire de la pub, acheter mes CD car dedans y a mes tubes. Acheter mes CD, acheter mes CD, acheter mes CD, ou bien je vais décéder. Ça, c'était le refrain. Voilà. Vous pouvez le reprendre avec moi après si vous voulez. Comme ça, vous aurez un peu l'air con devant votre ordinateur ou votre smartphone. Racistes et machos sont aujourd'hui vaincus. Pour vendre, on ne voit plus guère de jolis culs. Sauf pour des litres d'eau, des autos, des baignoires. Et pour du cacao, une tête de noir. Ils s'invitent chez toi du lundi au lundi. Par la télévision, le courrier ou l'ordi. Ils étaient déjà là à la maternité. Avec la valisette offerte par Nestlé. Plutôt se suicider que de faire de la pub. Acheter mes CD, car dedans y a mes tubes. Acheter mes CD, acheter mes CD, acheter mes CD, ou bien je vais décéder. Sur les taxis, les bus, dans le métro, la presse, sur nos t-shirts au dos de nos tickets de caisse, ils polluent notre vue, ils polluent notre vie, les vierges étendues leur donnent des envies. Petit à petit, sans s'en apercevoir, ils écrasent nos droits et prennent le pouvoir. Voyez tous ces canards qui en perdent leur tête, car comment attaquer l'annonceur qui t'achète? Plutôt se suicider que de faire de la pub. Acheter mes CD, car dedans y a mes tubes. Et j'en ai plein les tubes. Acheter mes CD, acheter mes CD, acheter mes CD, ou bien je vais décéder. L'artiste va décéder. Un beau crétin musclé sur l'écran me raconte comment être branché con sans en avoir honte. Et revient ce fantôme aux idées dégueulasses, culte de la beauté, pureté de la race. On vient de retrouver notre belle des champs, violée dans le rayon fromager d'un haut champ. Le capitaine Igloo a avoué les faits, c'est le père de Dieu qui avait commencé. Plutôt se suicider que de faire de la pub. Acheter mes CD, car dedans y a mes tubes. Acheter mes CD, acheter mes CD, acheter mes CD, ou bien je vais décéder. Dernier couplet. Pédophilie, encore une triste enfer en somme, dont Patillo surpris avec bébé Cadom. Et je viens de l'apprendre, oui, c'est la double peine. Pour ce malheureux vieux, j'ai nommé l'oncle Ben. Après avoir été esclave en son pays, on l'oblige à sourire sur un paquet de riz. Et c'est sur cette info que se finit ce flash. Papa sur le parc. Je vais reprendre parce que c'est la fin et c'est très émouvant. Papa sur le paquet, pourquoi il pleure, la vache. C'est très, très émouvant. La fin est très émouvante. Je l'ai complètement bâclée, mais elle est très émouvante. Plutôt se suicider que de faire de la pub. Acheter mes CD que
dedans. Il y a mes tubes. Attention, tous avec moi. Acheter mes CD. Acheter mes CD. Ou bien j'avais des CD.